Vas-y, passe-moi ça. Allez. Attends, quoi que. Wait, non. Ça va lancer. Ça va lancer. Tech était top 1 quand je start le jeu. Salut Nova, by the way. Qu'est-ce qui Nova? Salut Ariel, salut Nova. Bonjour Nova, je sais pas qui tu es. Nova, c'est le Mars parisien. Ah. Ouh. Et ça commence direct. Les Battlefield, du coup. Je sais pas s'il y a eu les bans ou si c'est MC Starter. Non, c'est le starter tout de suite. Hein. Starter Battlefield. Starter Battlefield, sûrement avec les bans. Tech qui connaît le match Fox mais que personne en France et qui rate un reste et qui... What? Pourquoi il a pas laser? Il avait le... il aurait tué avec les lasers. Tu penses? C'est 1000%. Non, il a préféré... lancer les... Schlepsic a le match-up de très loin. Sur le papier, sur la... en pratique, on parle de quelqu'un qui a plus d'heures sur... qui a plus d'heures dans Puff Fox que Schlepsic n'a d'heures dans Melee en général. Quand même. On va esquiver Ariane. Si là on cherche juste le neutral. Le problème c'est que là, c'est Tech qui doit engager. Et engager Fox c'est vraiment difficile. Oh, pas de deux stocks d'avance. Alors est-ce que Tech a affronté Jaradin ou pas encore? J'ai pas fait gaffe. Tech a affronté Jaradin en winners et... Non, ouais, il a affronté Shotwin en winners et il a pas et il a perdu. Oh, y'a Galan. Galan qui parie sur Shopsy. Plein de gens qui parient sur Shopsy. Mais pour l'instant, c'est Edgeguard là qui prend la première stock. Salut Galan, c'est. Rappelle du Don Smash ou pas? Oh, ta gueule. Oh, ça va, moi que je t'énerve. Hop Smash, et tout de suite. Du coup, les stocks. Est... Du coup, pour son ego, mais pour ce... mes stocks pas égal. Exactement. Ça va être. Oh, 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 c'était très très bien joué. Le classique de Tech, les l'anneau Tech. Non, Tech a pas croisé déjà. Ouais, Tech a pas croisé déjà. Non mais on reset tous les pourcents. C'est tech, ça le pouvoir du match-up. Tech qui fait des short up upper into rest, c'est incroyable. Oh là là. Ça c'est une Tech, c'est la base. Et ça tue parce que c'est voilà, très très bon edgeguard. Tech pas au top aujourd'hui, je mets vraiment une grosse pièce sur Shopsy. Tech sa défaite contre Twin, t'as pas l'air d'avoir le mental à fond. Mais ça sort plutôt bien contre le psy. Mais oui, mais jusqu'ici pour l'instant, maintenant les rôles sont inversés. C'est vraiment à Schwepsy d'aller chercher cette interaction. Ça fait bizarre quand t'es un main Fox de savoir ça. Normalement quand t'es Fox et toi tu choisis quand tu attaques. Oh mon dieu, c'est... Oh la read, mais... Oh mais Tech, mais waouh. Bien joué, c'était... Mais Tech qui me fait fermer ma bouche là. Ouais, bah Schwepsy peut le faire, mais pas sur cette game. Alors, Tech a fait moins de, réussi moins de L cancel que Schwepsy. What? C'est un pourcentage de L cancel, du calme. Et puis, oublie pas que genre des trucs comme les Edge cancel, ça compte comme des L cancel ratés et tout. Donc, ici, on a une très bonne gestion de cette position. Oh, il avait un reste. Cette phase de 90%. Il a peut-être un reste, mais il a préféré la sécurité. Il avait un reste, je pense, à cette top. Forward throw ici. Oh, on va tranquillement chercher cette guard. Et voilà. Faut pas tomber en danger. Tech qui part dans son refresh d'invincibilité. C'est une situation vraiment flippante pour Fox, il préfère concéder. Et il permet de revenir au centre du stage. Voilà, il a joué défensif. Il a joué défensif. What? C'est passé? J'ai le smash, ouais. C'est le bread and butter de Fox. C'est fort, hein, à skip. C'est le kill confirme de base de Fox, hein. Ça fonctionne, et ça fonctionne très bien sur Pokémon parce que c'est le plafond le plus bas. C'est pas Yoshi? Par rapport au stage, c'est Pokémon. Ah, je suis surpris par un jab up smash. C'est pour ça que je te dis coupe le chat. Enfin, pas besoin. Dash attack. Oh mon dieu, ça y est, Blue Note qui balance le drapeau breton. Évidemment. Tu vois un drapeau breton. Pour le breton. Oh, petit Bakerato. Bien. Tu sais qui arrive à garder la cadence. Non. Le Tomahawk grab. Il a trop gardé. Il a gardé Sushi trop longtemps, malheureusement. Grab. Oui, c'est bon. Alors, attends, juste. Attends, dis rien. Encouragement Fox. Ouais, c'est le tir de Fox, c'est le jeu qui fait ça. Hein. Ah, c'est le tir de Fox du coup. Off stage, ok.
Ouais, et ouais, c'est bon, plus de saut. On chope ça avec le forward air. Très bien. Tech qui domine pour l'instant le match. Enfin, non, il domine pas, mais il s'en sort plutôt bien. Oh, up throw, non. En tout cas, s'il manque pas grand chose. Le psy qui a des excellentes GI pour contrer les up throw de Flash Tech. Ça risque d'être quand même compliqué. Merci, Kit Kondi. Oh, et voilà. Et voilà, c'est bon. On a vu les techs sur les plateformes. Enfin, on a vu sur les techs away sur les plateformes. Donc, du coup, maintenant on va chercher à forcer. Je peux aussi interagir. Tant de différentes choses. Mieux. Tech très solide sur ses appuis. Qui se laisse pas toucher. Et qui est maintenant à des pourcents. Il faut vraiment toucher un gros hit pour l'envoyer valser. Un backer par exemple, sweet spot. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Et oui, très très bonne utilisation là. Le grab. Et donc du coup maintenant ça va être un... converti en kill, mais c'était... Alors on rappelle... Nice. Metoni a dit ouais, t'es qui rouillé, je suis pas d'accord. Hein. En tout cas... rouillé non, il a dit qu'il était pas au top. En tout cas... Ah, il a 0%, 5%. Il veut la jouer. C'est bon, Chopsy, lâche défensif. Il veut vraiment la win maintenant. Le problème, c'est qu'il peut pas jouer un défensif éternellement. Il va être obligé d'approcher ce Fox. Il a 4 minutes pour lui retirer une stock en la jouant défensif. Un peu moins s'il veut espérer. Ça, mais là, le truc, c'est que Tech, il est habitué à ce genre de jeu. C'est lui qui tient les clés de ce match. Exactement. Il avance au pourcent. Rondoudou, c'est la porte. Stock. Très très bon SDI. Ça, c'était. En fait, concrètement, Fox contre Rondoudou. Fox il a les clés, il a les centaines de clés, Rondoudou c'est la porte et en gros le but avec Fox c'est de trouver la bonne clé pour la rentrer dans la serrure. Et quand c'est Tech, t'as vraiment beaucoup de clés. Est-ce que finalement ce que je viens de dire c'est pas un peu le cas? Non, attention, ça risque d'être très compliqué. Non, c'est pas la game. Oh, on a tenté un punch un peu plus audacieux. Et on essaie de poursuivre ses désavantages plutôt que juste faire bêtement up smash. Backer. Est-ce que cette phase... Est-ce que Chepsi va comeback? Et Chepsi qui comeback. Oh, dommage. Excellente win de Chepsi. C'est un shield poke, je crois. C'est un shield poke, ça. Ok. Et qui réfléchit à son counter pick. C'est vrai que la game... Peut-être dans le jeu. Dreamland. Dreamland, bah oui, évidemment. Ah, ça, c'est le counter pick classique. On tuera plus tard par le haut. On tuera plus tard par les côtés, on tuera plus tard partout. Un reste, ça tue quand même. À zéro. Non. Dans tous les cas, c'est 40% gratuit, on veut pas cracher dessus. On m'entend pas. Hein. Essayez de faire des follow-up tout de suite. Ça se cherche pas mal ici. C'est que chaque hit peut être décisif. Oh là là. Putain, backer. Mieux de la recovery, la get up attack qui sera suffisante. Et oui, c'est parfait, petite roulade, on assure. Pas avec Bundy à 0%, ok. Ça veut dire, on prend les pourcents gratuits de la part de Chopsy. Ok. Oh, ça c'était un Tomahawk, mais encore une fois la SDI de Tech. Tech il est intouchable sur. Il est intouchable par up throw up air. Mais. Re-up smash ça touche. Il s'est entraîné toute sa vie pour ça après tout. Je pense que le mieux contre Tech limite c'est de. Très bien joué. Le classique de Tech finalement. Le vent qui pousse. Non, c'est bon, on n'aura pas le temps de faire un gros punish. 24% uniquement. Faire beaucoup de différence, mais. Oh, petit pivot. Oh là là, mais Tech, mais waouh! Très bien joué jusque là. Il fait des dingueries à Chopsy. Grosse avance. Très très grosse avance maintenant. Tech qui a l'air d'avoir l'avantage psychologique. C'est pas qu'un avantage psychologique, c'est un avantage. C'est vraiment juste un avantage réel. Il a l'avantage au stock. Non mais regarde Chopsy là. En plus, il a conditionné Chopsy à avoir vraiment très très peur de ses grabs. Chopsy, on le voit pas d'habitude. Chopsy, on le voit pas autant.
concentré. Non, on va dire crispé, voilà. Sinon, on voit pas autant crispé sur Epsi, je trouve. Vraiment. Mais il donne tout actuellement. Alors là, il est détente de bouche et tout. Je me demande si finalement il se sent. Non, il se. Mais Tech a clairement l'avantage psychologique. Ça fait, parle du jeu, Dracio, parle du jeu. Oui, jusqu'ici. En tout cas, jusqu'ici. Tiennent en respect mutuellement. Oh. Ah, le back air. Pas voulu. Ouais. En vrai, là, limite, ça va jouer genre S. Oh non, dommage. Ah, le fameux wall là, qui fait. Il aurait fallu tech. Mon dieu, on va envelopper du drapeau breton. Voilà, on essaye de puiser le pouvoir de la Bretagne. Alors, je me permets de... Allez, jouer Epsi. Vas-y, t'aurais pu éloigner ton micro de la bouche plutôt parce que genre. Ouais, ça c'est un peu pour moi aussi parce que je suis dans tes oreilles. Désolé. Pas de soucis. Petit wave dash. C'est ça. Okay. FD du coup pour Shwepsi. FD c'est. Et le ups reste à 0. Parce que Shwepsi il a gagné. Oh les SGI. Et oui, intouchable. Intouchable sur ses. Intouchable par ups repère. Il est venu préparer. Ça se charge beaucoup. Oh belle. Pierre. Oh excellent. Voilà de tour, c'est assez. Shwepsi met quand même pas mal de pression, il essaie de réduire le triangle d'atterrissage de Tech à chaque fois en dessous de lui. Et ça se sent. Il y a pas mal de réussite dessus. Tech a vraiment pas mal de. A rendu mal à l'end. C'est plutôt serré là pour le coup. Oh, très belle escape de la part Shwepsi qui punit avec un grab. Ouais. Parce que... Ah non, on a tenté le tomahawk. Oh, oh, très beau combo. Ouais, ça neutral air une plafond très 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 bas. Je m'attendais à reste. Non, il peut pas comme ça. Pas sur une DI juste brute comme ça. Et ouais, c'est bon, c'était un excellent edge guard. Ah oui, c'est Tech. On égalise. Généralement avec Tech. Est-ce que Tech va mettre les regrabs? Non. Généralement avec Tech. Dès que tu es off stage avec Fox, généralement c'est. Oui, c'est vraiment. Il a vraiment un edge guard très carré. C'est rond tout, ouais. Ça me rappelle Sekanor à la Bristol, tu voyais des clips. Shwepsi justement où dès que Sekanor mettait Shwepsi off stage, généralement Shwepsi mourait. Mais avec Tech c'est encore plus flagrant. Ouais, ici là on joue en neutral. Oh là c'était touch. C'était vraiment Tech, osé. Incroyable. Tech une légende finalement. What? Et oui, parce que ça tue. Ça avait pas besoin de prendre de risque de rater un reste. C'est parti. Une autre qui crie plus que moi, ce qui est étonnant. Bien crié. On entend la foule qui soutient Shwepsi ici au commentaire. Mais oh, c'est Gigi. Non, ça ne tue pas. What? Ah, non, ça ne tue pas. On était. Pourquoi ils ont tué? Très bonne DI. Le oui, c'était parce que ça tuait pas, justement. Ah. Vite, la situation peut toujours être renversée. Ok, on a tué par le haut. 46%. À 46%, c'est rond tout, tout est possible pour Shwepsi, mais pareil pour Tech. Alors je pense que si Tech arrive à caner ou pas Shwepsi, le mental va prendre cher. Et voilà. Il a vu la roll-in. Et Tech qui sort Shwepsi de sa run monumentale, yeah. Qui prouve que son seed est justifié. Bon. On aura Tech shot win en loser final. Exactement. On va aller lui faire un calm skin. Allez, vas-y. On va laisser Shotwin s'installer tranquillement.